Bonjour Isène Duchesne. Bonjour. Oui, donc merci de nous accueillir dans ta chambre. Avec plaisir, ouais, pas de soucis. Et donc tu fais partie de l'anthologie Tombé les Voiles, avec une vague qui s'appelle L'œil du dragon. Mmh. Et je vois derrière toi une carte. Alors c'est une carte de l'Europe. Hein. Ouais. Et donc pourquoi il y a une carte de l'Europe? C'est très joli, puis ça donne envie de voyager tout de suite. Ah, oui. On se rend compte qu'ici à Strasbourg, on est presque. On est pas mal avancé vers le milieu de l'Europe. On a tout de suite envie d'aller à Prague, Varsovie, Vienne. Oui, tu veux dire que tu es vraiment au pas de la porte, quoi. Au pas de la porte de l'Europe. On est déjà plus centré qu'à Nantes où j'habitais avant. Et... En même temps. Ça m'est arrivé de. À Nantes, tu es à la porte de l'Atlantique. Hein. Ouais. Plus difficile de faire du stop par exemple en bateau. Je vais à New York, mais ça m'est arrivé de Nantes d'aller à Londres, Amsterdam, Florence, Barcelone en stop. Et là, je me dis que d'ici de Strasbourg, c'est pas possible. Copenhague, la Suède, ça reste assez. Donc là, il y a plein de directions possibles. Ouais. En fait. Et donc Strasbourg est une ville étoile, alors en Europe. Ouais. C'est cool d'habiter juste au bord de la frontière, on traverse le Rhin puis on est en Allemagne. Oui, et c'est vrai que souvent on s'aperçoit que l'urbanisation change totalement. Hein. Dès passer la frontière, on voit que. Alors je sais pas, hein, pour côté Strasbourg allemand, mais il y a vraiment des différences lorsqu'on passe de la France à l'Italie, de la France à l'Espagne. On voit qu'on passe la frontière, il n'y a pas besoin qu'elle soit matérialisée finalement. Les constructions humaines ont déjà matérialisé cette frontière. Ouais, c'est pas si visible que ça. Mais ouais. Ça n'a pas toujours été la France ici. Il y a peut-être une petite empreinte qui. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de collectionneurs de faisans encore dans l'est de la France. De faisans. Oui, de faisans. Comment ça? Ah, c'est une passion allemande, hein, le faisan. Mmh. Ah d'accord. Oui. J'ai pas encore découvert ça chez les gens d'ici, mais ouais. Oui, tout à fait. Alors, parle-nous un peu de ta nouvelle, L'œil du dragon. C'est une nouvelle qui se passe dans un univers un peu contemporain, un peu comme le nôtre, sauf que la magie est possible et du coup, il y a des sorcières qui vivent dans un monde où il y a des voitures et internet et... Puis des dragons, des espèces de ptérodactyles qui vivent un peu, complètement en marge de la société des hommes, mais qui sont très intelligents, qui ont juste une vision du monde et voilà, des rapports entre les gens et la magie très différentes de celles des humains. Donc il y a une espèce de scission, de compréhension. Ce sont des mondes qui vivent ensemble, mais qui n'ont pas forcément de communication ensemble. Ouais, ça m'a intéressé d'imaginer ce qui se passait si, s'il y avait plusieurs espèces intelligentes sur la même planète, comment est-ce que ça serait mieux? C'est pas le cas. Disons que je sais pas si on était vraiment en conflit en rapport avec l'homme de Cro-Magnon qui a écrabouillé l'homme de Néandertal. Il y a des polémiques. De grandes polémiques. Mon idée, c'était que s'il y avait plusieurs espèces intelligentes, peut-être qu'il y aurait moins de conneries de fait par rapport à l'environnement. Mm-hmm. Je sais pas. Je suis un peu partie là-dessus. Oui, c'est ça. Mais est-ce que l'intelligence appartient finalement à une espèce? Ou est-ce qu'elles font toutes partie de cette intelligence? Ah, oui, ça, ce serait plutôt un bon point de vue. Qu'est-ce que l'intelligence, l'adaptation à la nature? Est-ce qu'on en est le propriétaire de cette intelligence? Est-ce que c'est un bien, cette intelligence? C'est une très très bonne question. Est-ce qu'on l'utilise bien si on a une vraie intelligence? Est-ce que nous sommes intelligents ou est-ce que nous avons conscience de l'intelligence? Ça y est, on est parti sur l'intelligence. Allez, on va faire des discussions de fond. Alors, ta nouvelle, L'œil du dragon. Donc, c'est un œil ouvert sur le monde, peut-être. Ouais. Sur un monde différent. C'est un petit peu comme ça que j'ai pris la chute du voile, dépasser les préjugés un peu. Et puis, c'est pas si facile que ça de voir les choses telles qu'elles sont, de sortir du cadre. Ouais, on est quand même très formaté par sa culture, sa société. C'est un peu ce troisième œil. Ouais. Mmh. Ouais.
Et donc, si ta nouvelle remporte le prix Mille Saisons 2018, 18. qu'est-ce que tu comptes faire? Un roman, un recueil de nouvelles, Ah. cet univers, est-ce que tu as continué à le développer? J'avais Est-ce pas que tu pensé y à un recueil de travailles? nouvelles, oui. Oui, c'est un univers que je travaille depuis longtemps en fait. Et j'ai déjà commencé à écrire un roman qui se passe là-dessus. J'avais commencé avant d'écrire la nouvelle. Je m'étais dit, waouh, c'est trop bien. Mais ouais. C'est vrai que vous avez des fois des recueils de nouvelles, du coup, qui se passent dans le même univers avec des personnages Oh bah totalement différents. c'est une pratique qui existe. Ouais. Tiens, il y a des nouvelles, il y a des héros qui peuvent avoir plusieurs Ouais, c'est marrant aventures qui comme se concept aussi. terminent. Je veux dire, une œuvre n'est pas forcément qu'un roman. Ça peut être des épisodes avec des ellipses, hein, donc avec des histoires qui se terminent, avec un personnage. Enfin, moi, il n'y a pas de. Un roman, c'est pas forcément toujours. Une œuvre n'est pas forcément codifiée selon un nombre de signes, selon une continuité. Le continuum dans une œuvre peut être vu de différentes manières. Et alors, Tomber les voiles, qu'est-ce que tu en avais pensé de cet appel à texte? Quelles ont été tes premières pensées lorsque tu as pris connaissance de cette thématique? Je sais plus, je crois que j'ai découvert ça l'été dernier quand je regardais. Oh, je sais plus où c'était affiché. Il y a des sites internet qui recensent tous les concours de nouvelles et vous deviez être sur Nouvelle Donne, je sais pas. Donc Ah, ouais, Nouvelle Donne, j'avais. c'est un parti politique, je crois, hein. C'est pas des Nouvelle. nouvelles. Si, nouvelledonne.net, ouais, ça recense tout. Bon. Ouais. Non, mais il me semblait que c'était plutôt un courant politique, mais bon. Il y a peut-être une intention globale derrière. Oh, je sais Non, pas. enfin bref. Ouais, non, c'était resté dans ma petite tête. Et puis, je crois que j'avais commencé à inventer une nouvelle. Et puis, des mois après, je me suis dit, non, mais en fait, ça colle pas avec le thème tomber les voiles. Il n'y a pas du tout de voile dans mon idée. Je l'ai cherché, non, il n'y a rien. Et, ouais. Mais qu'est-ce Bah, que du c'est coup, qu'un comme tu voile? disais, ouais, Est-ce que c'est c'est un ça. Un voile? Qu'est-ce que voile, c'est une qu'une voile, voile? qu'est-ce que c'est, cette histoire? Comment on parle là-dessus? Ouais, c'est vaste et c'est pas facile. J'étais retournée sur votre site, j'ai vu que beaucoup Donc tu étais d'auteurs dans le se brouillard en demandaient fait, hein. Tu étais dans le en... brouillard Voilà, tu totalement, étais ouais. dans le brouillard et tu étais enveloppé par ce voile. Je voyais pas bien. Ouais. Je me suis demandé si vous aviez utilisé une expression spéciale, s'il y avait déjà eu. Si c'était une référence à quelque chose de précis du coup. Parce que voilà, tomber les voiles, tomber et les voiles, j'avais vraiment l'impression que c'était. Que ça venait de quelque part et pas que c'était une ouverture. Hein, qui avait Je me suis peut-être en demandé, fait ouais. un concept derrière tout ça. Et j'ai vu que plusieurs personnes vous posaient la question sur le site. Oui, mais bon, Je c'est la liberté de tous à me chacun d'interpréter une thématique. dis, ah ouais, Et puis surtout ne pas mettre l'auteur sur des rails, parce que sinon, à quoi ça sert de lui demander de faire preuve d'imagination, si ce n'est qu'on lui donne déjà la direction dans laquelle aller. ouais. Donc finalement, il faut vraiment que tous les champs du possible soient toujours ouverts. Et que justement que son imagination soit en action. Les champs du possible, ouais. Ouais. Donc qu'est-ce que tu voudrais dire à tes lecteurs Je sais pas, lisez. par rapport à ta nouvelle, par rapport à ce que tu as exprimé dans ta nouvelle? Oh, je sais pas, Parce que c'est un monde assez sombre, hein, finalement. C'est un monde assez sombre. Je veux dire, il va y avoir un enfant qui va naître. Donc on cherche l'endroit où va naître l'enfant. Le monde n'est pas accueillant. Finalement, il y a ce personnage qui arrive comme une ombre et qui est craint. Qui est craint comme le malheur. Bah, c'est un truc qu'on voit tellement partout aujourd'hui, en fait, la peur de l'autre, c'est tellement dommage d'avoir peur des migrants qui fuient la guerre ou de l'étranger qui arrive et on a tout de suite envie de dire, voilà, ça c'est mon pays, c'est
c'est ma langue, c'est ma religion. Parce que je pense que justement, l'incompréhension est toujours dans les deux camps. Et lorsque quelqu'un naît dans une culture, avec ses règles, avec ses tabous, et qu'il arrive dans une autre société, c'est pas simple d'arriver quelque part. Ouais. C'est pas simple de retrouver des repères culturels. C'est et donc, ça. On a tendance à venir avec ses propres repères. Et on a poser, toujours, on est complètement, on a cette et, grille et finalement là. À recréer ces repères dans le dans la contrée dans laquelle on arrive et à refaire ces petits tumulus de pierre pour se repérer. Donc l'incompréhension vient toujours des deux côtés. Et surtout, moi je pense que, malheureusement, en fait, toute migration est accompagnée d'agitateurs. Ouais. Et que le migrant finalement est l'instrument du pays dans lequel il est chassé, et l'instrument dans lequel dans le pays dans lequel il arrive. Et en fait, c'est vraiment une victime. Ouais. Il y a des gens qui disent, ouais, les migrants doivent apprendre le français quand ils arrivent. Je crois qu'il faut vraiment avoir été mis dans la situation inverse, quoi. Arriver dans un pays et avoir à se débrouiller avec l'autre langue, à réussir à s'exprimer, et puis vraiment galérer à apprendre tous ces mots. Mais les gens ne se rendent pas compte de la difficulté d'apprendre une autre langue. Et ils veulent imposer ça aux gens qui arrivent. Alors d'un côté, voilà, il y a cette absence de conscience de tout ce qui est vécu derrière, quoi, du changement, de devoir acquitter son foyer, quoi, une part de notre identité quand même. C'est une remise en question profonde de la pensée. C'est-à-dire que lorsque tu arrives dans un pensée et que tu vois à quel point la langue, en fait, conditionne ta pensée, c'est difficile d'accepter, en fait, de sortir de ce conditionnement et, je dirais, d'avoir l'humilité, en fait, nécessaire pour aller vers l'autre et ne pas s'enfermer, justement. Vous avez vu le film Premier Contact qui est sorti en novembre? Oui, tout à fait. Ils ont exploité à fond cette idée de langage qui fait fonctionner notre cerveau d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et ça, c'est évident, c'est clair. Même quand on parle une autre langue, on a une autre personnalité, en fait. On n'exprime pas les mêmes choses de la même façon. Si vous traduisez le mot pain en français ou en allemand, oui, c'est le même mot pain le pain en Asie centrale, le pain allemand, le pain français, ils sont complètement différents. Ils n'ont pas la même forme, le même goût, la même odeur. Ils sont avec du gluten, rassure-moi. Ouais, tous, ouais. Il n'y a pas de souci. Mais les choses sont différentes, en fait. Bref. Non, ce que je voulais dire. Oui, il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est-à-dire dans le nommable. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre un cri sur une chose. Mm-hmm. Ouais. C'est marrant parce que les linguistes aiment bien imaginer qu'il y a eu au tout départ une langue universelle qui serait compréhensible. Parce que si on vous dit le mot table et que vous ne parlez pas français, vous n'avez aucun moyen de comprendre que table, ça veut dire table. On ne mange pas tous autour d'une table, hein, dans tous les pays du monde. Hein. Ah, imaginez une langue. Il y a des pays où il n'y a pas de table. Voilà. Mmh. Ouais, tu vois, même le concept de table est difficile à saisir. Si vous n'avez jamais mangé autour d'une table, à quoi ça sert? Ça, j'adore en fait, être dépaysée dans un autre pays, se rendre compte en fait. Ça, c'est un excellent moyen de se rendre compte des grilles avec lesquelles on a été formaté depuis qu'on est tout petit, quoi. De faire une chose qui vous semble naturelle et de voir que vous choquez les gens. Ouais, c'est très dur de prendre conscience que la liberté qu'on nous donne est celle qui nous fait accepter les barreaux de l'Éden et de cette prison qui nous entoure. Ah là là. Vous allez en Russie, vous attendez quelque part, vous vous asseyez par terre. Les gens vont vous regarder comme si vous étiez complètement fou, quoi. Et une femme qui s'assoit par terre, sur le sol froid, il n'y a qu'une étrangère pour faire ça. Aucune russe ne ferait ça parce que... Ben c'est la mort. Elle croit parce que la femme ne pourra pas avoir de bébé si elle s'assoit par terre. Ben, ils vont te supplier de mettre un sac au moins sous tes fesses. Mais dans un pays où il fait froid, je veux dire, à partir du moment où tu te mets sur le sol, c'est que tu es en danger. En danger, oui. C'est-à-dire que dans le froid... Seul le mouvement peut assurer ta survie. Ouais, surtout pas s'endormir, surtout pas se laisser aspirer. Là, c'est la fin. Gardez les yeux ouverts. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que le fait de s'asseoir par terre, en fait, est un signe de renoncement
c'est la misère. Ouais. Ben, c'est Rosane Duchesne, L'œil du dragon. Donc, bonne lecture à tous. Et donc, Rosane, bonne chance. Merci.